Je vais peindre un chevalier du chaos en 24 heures, mais pas celui-là. Je voulais un chevalier du chaos pour mon armée de World Eaters. C'est tout de même mieux, mais le problème c'est qu'il ne matche pas du tout avec l'armée. Heureusement pour moi, j'ai le parfait chevalier du chaos de Khorne, et c'est le Khitan Demon Engine. Grosse erreur. Le Khitan est un kit moite-moite plastique résine, et je suis vraiment pas très fan de ça. Cependant ici, je pense que ça devrait aller, puisque la figurine est clairement en deux parties. Le haut du corps est entièrement en plastique, et le bas du corps est entièrement en résine. Je vais commencer avec la partie la plus simple, monter le haut du corps en plastique. Ça va être une journée de peinture épique, c'est parti pour 24 heures de peinture. Walking down the avenue, holding take I meant for two. I could eat it all myself, but then I would need your help. So meet me at the corner shop, where they sell your favorite pop. Maintenant que le haut du corps est terminé, je vais passer aux parties en résine, à savoir les jambes. Maintenant que j'ai terminé les jambes en résine, je suis assez fier de moi. Très très fier en fait de ma grosse erreur. J'ai monté la partie 18 dans le mauvais sens. Et bien évidemment, je m'en suis rendu compte qu'une fois que tout était collé. J'ai pas le choix, je dois le casser. Je vais donc recoller dans la bonne position et terminer le montage. J'ai sous-assemblé pas mal de choses pour rendre le process plus rapide et plus facile. Il est maintenant temps de se coucher tout ça. Je vais commencer par peindre le rouge de ce chevalier du chaos de Khorne. Maintenant que le rouge est terminé, on va pouvoir passer aux jambes avec du métal. J'ai terminé les effets que je voulais faire sur le métal, je vais pouvoir passer à une longue, longue partie, les bordures dorées. Toujours un plaisir sur les figurines du chaos. C'était long, on va passer sur une couleur mate, ça fera du bien. Ok, on repasse sur l'or pour ajouter un peu d'ombrage à tout ça. Pretty Caroline, oh, 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 Stone Cold.
Je vais maintenant surligner toutes les arêtes du rouge et assombrir à certains endroits pour le rendre encore plus joli. If you keep this up, then I'll let you in, cause you have a way with me like no one else. Yeah, you almost make me fall in love. Yeah, you got me hypnotized under your spell. I know I'll go home with you tonight. Oh, wanna get you closer to my body. Wanna feel your hands all over me. Gonna make them jealous, everybody. Cause you know we got it, chemistry. Oh yeah, all around. Ça y est, on entre dans la phase finale. Je vais maintenant faire des OSL pour qu'il ait l'air d'être vraiment vénère à l'extérieur du décorne, mais aussi à l'intérieur. De tout coller et de voir si j'ai bien peint ce qu'il faut aux bons endroits. Complètement ok, je vais pouvoir passer à la dernière phase qui est d'éclaircir l'or et aussi quelques petits trucs à côté. Et voilà, il reste plus qu'à peindre le socle et ça sera fini. Le kitten est terminé, c'est l'heure d'un gros reveal. Mais World Eaters est enfin comme je la voulais, avec du coup un Primark, plein de Bertrand Korn, des véhicules, Karn et un Kitan.